Bonjour à toutes et tous. Alors j'en ai déjà ramassé, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit truc court là. Vous voyez ce que c'est, hein? C'est des graines de carottes. Donc là, ouais, c'est pas compliqué, hein? Ça, c'est pas assez sec. On le laisse. Ouais, ça c'est bien. Alors attendez. Ouah! On va vous montrer ça. Et voilà. J'en ai déjà ramassé, j'en ai coupé. En voilà d'autres. Bon, il y en a des tonnes, hein. Et voilà. Comment faire des milliers de graines de carottes, parce qu'il y en a des milliers là-dedans. Des milliers, des milliers, des milliers. Si je filme au bon endroit, ça serait mieux. Quelle truffe! Voilà, et celui-ci là. Bon, j'en ai un peu de partout. Là, il y en a pour un siège, hein. On avait coupé encore là-bas. Alors, il faut que ça soit bien sec, hein. C'est beaucoup mieux si c'est bien sec, hein. Ça tombe comme à gravelotte. Et voilà de la carotte. Est-ce qu'il m'en reste un petit bout? Encore un peu. Ouais, là il y en a plein encore là-dedans. Évidemment, ça va jamais faire le point sur la carotte, mais c'est pas grave. Allez, on fait tomber encore. Ah, celui-là n'est pas tout à fait sec. Mais bon, tant pis. Voilà. Et voilà. Comment récolter les graines de carottes, ça prend 30 secondes et ça marche bien. Et après, bah, vous les ressemez, hein, c'est tout simple. Hein. Graines de carottes, c'est plein de petits piquants. Regardez sur internet parce que moi, avec le téléphone, je ne vais jamais arriver à vous les filmer. Vous les posez bien sur la terre, vous mettez un petit peu de terre par-dessus. C'est costaud la carotte, même un peu de paille ou de foin, vous pouvez recouvrir. Hein. Mais surtout quand vous les mettez sur la terre, vous les plombez bien. Hein. Parce que les carottes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas fragile. Toutes les petites graines ont des petites pointes là. Il faut bien que ça accroche. Donc il ne faut pas hésiter à les plomber. Dans l'ancien temps, on disait trépigner les carottes, entre autres. Hein. Trépigner, ça voulait dire marcher dans la planche, tout simplement. Marcher dans la planche et vous tassiez tout ça. Sans avoir peur. Surtout pour les carottes, qu'on croit fragiles, mais pas du tout. Surtout pour les carottes, il fallait bien les tasser. Donc à vous de jouer pour ramasser les vôtres. S'il y en a qui sont montés en graines, tenez celui-là, il est bien sec, mais hop là, il en reste plus trop parce que j'avais dû les faire là-dessus directement. Voilà, à vous de jouer, à vous de ramasser vos carottes. Et puis en attendant qu'on ramasse ces tomates-là, elles seront mûres quand au mois de décembre. J'en sais rien. Quant au chou, ouais. Bref, je n'épiloguerai pas. Ah, les limaces. Et ouais, c'est un peu le problème là. C'est le problème récurrent d'ailleurs. On verra ça plus tard. Allez-vous. Allez, bon semis de carottes à tous.